Pour accrocher une armoire de toilette avec miroir, on procède de la même façon que pour fixer le meuble. Si une lampe est également prévue, mesurez le milieu de l'armoire et placez la lampe à ce niveau. Mesurez le milieu de la lampe et alignez-le sur le milieu de l'armoire. Veillez à ce que la lampe soit placée juste au-dessus du miroir. Vissez la lampe dans son boîtier et effectuez le raccordement électrique. Le haut d'une armoire de toilette se situe à environ 2 mètres de haut. C'est cette hauteur-là que nous allons utiliser ici. Mesurez la distance séparant le haut de l'armoire et le point de suspension. Déduisez cette mesure de 2 mètres. Dans notre cas, il s'agit de 4 cm. Prenez le milieu du meuble de salle de bain et alignez le milieu de l'armoire de toilette sur cette référence. En vous servant d'un niveau, mesurez la largeur de l'armoire et reportez-la sur le mur. Puis, tracez une ligne verticale à l'aide du niveau pour monter les étriers de fixation. Démontez le porte de l'armoire, ceci rendra l'armoire moins lourde à porter et plus facile à attacher. Détachez les suspensions au moyen des vis intérieures. Suspendez l'armoire en vous aidant du niveau pour la placer de niveau. Ensuite, vissez-la tout contre le mur à l'aide des vis intérieures, en posant des petites caches sur les têtes de vis pour finir le tout. Montez les tablettes dans l'armoire, puis replacez les portes à miroir. Percez de petits orifices au bas des portes pour les clenches. Passez les poignées sur l'armoire. Si le meuble est entouré d'un film de protection, vous pouvez maintenant l'enlever. Ne le faites pas avant ce stade, vous risquerez d'abîmer l'armoire accidentellement.